Marie-France Dubreuil. Ils sont 11e après la danse originale. Le tout jeune couple canadien Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon inaugurent donc cette soirée avec leur programme de danse libre. Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, ouais. Vous en êtes tout ému. Ouais, c'est vraiment un programme qui était très compliqué, qui était innovateur. Il y avait beaucoup de force, un coup de patin très prononcé. Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon. Vraiment là, je gratte pour aller chercher les critiques, mais
vraiment pas grand-chose à critiquer sur ce couple. Ils ont fait une prestation avec beaucoup d'énergie, du début jusqu'à la fin. Et c'est leur tout premier championnat du monde. Alors je crois qu'ils ont vraiment bien réagi avec tous les éléments requis qui étaient là et des portées vraiment inusitées. Couple très attachant que ces jeunes Québécois qui ont dû au début travailler beaucoup pour financer tout simplement leurs cours de patinage et qui ne sont devenus patineurs à plein temps, si l'on peut dire que l'an dernier, ils ont patiné sur la bande originale du film La vie est belle, ce très très beau film de Roberto Benigni, avec Roberto Benigni. La musique était signée Nico Piovani. Une musique qui leur allait très très bien, car une musique toute en accélération. Et c'est très très important, notamment pour la danse sur glace, que de permettre justement cette accélération, notamment dans les différentes séquences de petits pas et de portée telle que l'on en voit un ici. Très très beau. Ça s'est vraiment bien passé pour ces jeunes Canadiens. Oui, ils ont bien étudié leur musique, ils ont utilisé la musique. Vous savez qu'en danse, on invente tous les pas et tous les éléments. Alors, c'est très difficile comme épreuve. Alors, les voici sur cette fameuse zone Kiss and Cry. Donc, avec des notes qui ne devraient pas tarder à apparaître. Oui, les voici. Eh bien, des notes qui s'échelonnent de façon assez harmonieuse. Mais qui les placeront probablement dans les 10 premiers à leur premier championnat du monde. C'est-à-dire que peut-être avec ces notes pourrait-il prendre la tête provisoire de la compétition. Nous allons attendre la note artistique qui monte. Et oui, voyez le petit chiffre 1 qui s'inscrit en bas. C'est dire qu'ils sont donc donnés en tête par 7 juges contre 2 qui les mettent deuxième. Et voyez, position, voilà sur la gauche de l'écran, position premier, sous les yeux évidemment de leurs supporters canadiens.